peu plus de scènes de vie comme ça, à la cool, à la maison, parce que c'est vrai que j'étais pas trop trop présente sur les réseaux et bah, vous m'avez manqué, je pense, comme je vous ai manqué. Donc là, on va faire mon teint parce que j'ai avec Cole, bien évidemment, comme tous les samedis, on se fait un date digital. Comme il est à Washington et que moi je suis en Suisse et je le retrouve dans jeudi, dans dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, 5 jours. Je suis trop contente. Mis à part ça, quand je blende mon teint, d'abord j'applique le fond de teint avec les mains pour pas en gaspiller. Il n'y a rien de plus énervant, franchement, que le gaspillage. Et après, je viens juste blender. Et étirer en fait la matière. Non mais juste regardez, vous voyez, ça absorbe presque rien. Tout est en surface. Ça vient juste prendre le surplus et l'étaler. Tout simplement. Et en fait, comme j'aime pas me prendre la tête, comme vous voyez, voilà, franchement, j'ai décidé de plus me prendre la tête. Donc là, avec cette grosse éponge, ça me maquille le teint. Et après, j'ai que à béquer, à appliquer la matière avec. J'ai pas 36 000 pinceaux. J'arrive plus. Honnêtement, je suis dégoûtée. Je crois que c'est l'un du maquillage. Et je peux plus. Donc, faut se simplifier la vie en 2023. Les amis, j'ai fait un live TikTok pour la deuxième fois de ma vie. Et vous devinez jamais ce qui m'est arrivé. Genre, j'ouvre le live. Il y a un guest qui me demande de venir sur le live. Et du coup, bah, je me dis, ok, ouais, pourquoi pas. Genre, je vais prendre des gens et tout, c'est cool. Et là, en fait, quand j'ouvre le live, je vois des barreaux. Genre, en fait, le mec, il était en prison. Je dis, mais c'est chaud. Le mec, il était en prison, il m'appelle depuis la prison sur TikTok. Je dis, mais ça va ou bien? Genre, j'avais eu trop peur. Mais bon, après, je dis, tu veux que tu fasses quoi? Il faut pas être méchant, quoi. Mais ouais, c'est un peu glauque. Oh, j'imagine pas ce qu'il va faire maintenant sur mes réseaux sociaux. Oh là là, faut vraiment que je me protège. Oh, c'est pour ça que je mets aucune photo dénudée, ça me dégoûte trop.